Mais bon, c'est pas grave. On aura bien du vin, mais j'aimerais bien de... On va ouvrir la circulation aujourd'hui. Là. Donc il faut mettre des éléments pour que ça ne soit que dans le sens qu'on ressentra sur terre, pas dans l'autre. Il faut empêcher jusque demain, ça sera du midi. Demain midi, on arrête, et puis maintenant, on ne veut plus, Kinshasa, on reçoit. Ça va? Mais l'Israël sera là aussi. Je demande au général Kass de déployer aussi ces éléments. Merci. Et donc ça, c'est des constructions en arche. Oui. Monter les cabines. Ok. Il y en a. Autour de nous, n'a plus de. Il y a une partie qui n'a pas, mais. Ça a coupé les transports et hop, le feu a pris. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On l'a éteint de. On l'a éteint de. Par les pompiers ou rien que les équipes? Rien que les équipes, l'attention. On a des disjoncteurs, en fait, on a des interrupteurs. Voilà. Des sectionneurs à l'extérieur et à l'intérieur. On coupait le. On les a coupés manuellement. Et le feu, comment on avait. On l'a éteint. Le feu, il a fini par s'éteindre parce que ce n'est pas des grands équipes. Donc il y avait aussi des extincteurs. Donc c'est ici, ça c'est l'arrivée du transfert numéro 1, c'est ici que tout a brûlé. Et par contagion, ça a brûlé le reste ici. Donc vous avez. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait quelque chose avant, non? Oui. Il y avait donc le. Il y avait un donc le. Le disjoncteur. Ça a complètement brûlé. Ça c'est pas humain. Ça sont les industries. Oui, ça va vers les cassiers. À partir d'ici, on va vers des cabines. Okay. Donc actuellement, pour Alima, Bras Congo, sont sans. Parce que tout ça a brûlé. On a 7. Donc on a isolé les 7. Et demain, quand on remet le transfert numéro 1, on va reprendre tout le reste. Ouais. Sauf celle-ci, où le long du mur, on va construire une rigole. Voilà. On permettra que quand l'eau rentre en grande quantité, elle puisse ruisseler vers l'avant. On a des puits. C'est ça qu'on va faire. C'est bloqué, donc ça revient et ça. On s'en fout. C'est pas militaire ou quoi? Militaire, il fait quoi là? C'est la quête d'ailleurs, la grande là? Ou bien la petite? C'est surtout la grande. Mais c'est la grande aussi. Mais cette zone-ci, en fait, c'est la servitude. Voilà. Ici, c'est 220 000 francs. C'est-à-dire que ceux qui habitent là, c'est des anciens de personnes qui viennent là, ils sont dans le champ magnétique, voilà, en permanence. Et vous voyez, on a le même phénomène. Ça fait des terrains qu'on doit tenir et laisser libres. Normalement, c'est la fière. C'est dangereux. Oui. Dès que c'est propre, les sorciers vont venir. On peut faire juste un couloir pour les eaux. Oui, mais le couloir est là, la rigole est là. C'est-à-dire que ici, c'est vraiment, on peut nettoyer complètement. En fait, on est sous tous les niveaux. Ouais. Mais si on le fait dans l'état actuel, ouais, aucune autorisation. Bien sûr. Même la nuit, il ne se peut pas. Pas votre madame. Comment ça avec les fondations. Il faut les arrêter. Parce que là, quand c'est construit, il y a la destruction méchante. Non, il faut détruire. Il faut détruire. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Moi, je vous dis, il faut arrêter cette histoire de sentiment. Il faut dégager des gens, mettre tout le monde en mode. Voilà maintenant ce qui est arrivé.
arriver à la SNEF à cause justement de ce genre de pratiques. Alors nous, on doit faire de mettre des sentiments là où des gens sont complètement impitoyables et causent des dégâts à des centaines de milliers de foyers. Mais voilà. Des sanctions. Sont à la tête de réseau maintenant. Boomerang sur ses propres personnes. Ils ont des familles, donc ils peuvent pénaliser même leur famille à cause de ces constructions qu'ils autorisent. Il y a des dégâts et puis des membres de leur famille sont en train de se faire.